L'idée, c'est de l'appris assez jeune. Il l'a appris assez jeune, c'est-à-dire c'est vers l'âge de, bon, allez, je dirais 4-5 ans. 4-5 ans, il montait, sa passion, c'était de venir avec nous, alors que ça soit sur un engin motorisé, sur un tracteur, sur une, enfin, je ne sais quoi, mais tout ce qui est aussi manuel, hein, tout ce qui est manuel. C'est-à-dire ça ne le dérangeait pas de partir s'il fallait aller sarcler, s'il fallait partir, enfin, voilà, pourvu qu'il soit dehors, quoi, pourvu qu'il soit dehors. Et en fait, voilà, en grandissant, mais ça, il confirme son choix, quoi. Il confirme son choix. Sébastien, un souvenir particulier ou une période dans l'année que tu aimes plus que les autres ou pas? La moisson. Ça commence fin juin, mi-juillet, grand maximum. Et le but, c'est de récolter tous les grains qu'il y a dans les plantes. Pourquoi tu aimes particulièrement les moissons? Mais parce qu'on a des gros engins dans les champs. Et puis au moins, ça fait plaisir quand on récolte beaucoup. Enfin, ça, dès qu'on voit que la marchandise elle monte dans la trémie, on dit que c'est l'argent qui monte dans la trémie. Ça fait plaisir. Alors que quand il n'y a rien, bon... Et toi, tu les conduis, ces autres champs, quoi? Oui. Tout. Tout. À 9 ans, on le laissait voilà, dans des endroits, bien sûr, qui n'étaient pas dangereux, bien sûr, voilà, et qui se passaient la main, quoi. Mais oui, 8-9 ans, il conduisait. Bon. Il conduisait, bon. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on peut y faire confiance. L'exploitation ici, donc on est trois frères regroupés, trois frères en GAEC, on appelle ça un GAEC, donc c'est un groupement agricole d'exploitation en commun, donc c'est une structure en fait où on peut tous les trois mais travailler en association. Donc on exploite une surface de 230 hectares de SAU, et ensuite donc on a des élevages, vous avez vu des bâtiments en descendant, des élevages de poulets, et donc ça c'est pour complémenter le revenu. Alors, vous allez voir du matériel, et du matériel qui est un petit peu, en abondance, je dirais. En abondance, pourquoi? Parce qu'on a une activité aussi après d'entrepreneur. Donc entrepreneur, c'est-à-dire que là, eh bien, on est sous-traitant un petit peu des travaux qu'on nous commande, on est des exécutants, et voilà, donc par rapport à ce qu'on nous dit, mais on doit exécuter les travaux qu'on nous commande. Voilà. Donc vous allez voir pas mal de matériel. Que dire de plus sur l'exploitation? Je crois qu'on a fait à peu près le tour.